C'est dans cette maison, entourée du célèbre jardin, où peignit jusqu'à l'année de sa mort en 1926 le peintre Claude Monet, maître de l'école impressionniste. C'est dans cette maison que des toiles pieusement conservées par son fils viennent d'être inventoriées afin d'aller enrichir les collections de l'Académie des Beaux-Arts. Nous y sommes en compagnie de maître Bourdon, administrateur des biens de Claude Monet. Je vais d'abord, si vous voulez, vous montrer ce que l'on voit ici. Nous sommes ici à Giverny. Vous avez les toiles de Monet, telles qu'elles ont été évidemment mises ici à titre de protection, puisqu'on les a tous entassées ici. Vous voyez que tout ici, n'est-ce pas, représente la dernière manière de Monet, les nymphéas. Surtout les nymphéas. Ah oui. Regardez par exemple ce tableau qui est absolument, à mon avis, remarquable par sa richesse, sa sensualité, la palette, la couleur. Combien y a-t-il de toiles? Ici, vous avez 46 toiles. Et à Moussel? À Sorel-Moussel, vous en aviez 92, je crois, mais ça ne comportait pas des toiles. Il y avait également des dessins et des œuvres d'autres peintres que Claude Monet. Notamment des Renoirs, je crois. Notamment des Renoirs, des Manet, des Signac, des Sisley, des Berthe Morisot. Mais regardez, c'est curieux de voir ici cette collection d'estampes que l'on a, qui est absolument formidable. Claude Monet s'intéressait beaucoup aux japonaiseries et il a ici une très belle collection d'estampes. Maître Bourdon, nous voici dans l'atelier de Claude Monet. Oui, en effet, c'est son atelier le plus ancien. Parce qu'il y en a un second, je crois. Oui, vous le verrez tout à l'heure, c'est un très grand atelier dans lequel il peignait ses nymphéas avec tout un système de poulies, tout ça, très compliqué. Et ici, ce sont des vieux chevalets. Ce sont ces chevalets, ces vieux chevalets. Et puis alors, quand nous sommes arrivés, il y avait des toiles ici tout autour. Naturellement, c'était un spectacle extraordinaire pour les gens qui arrivent pour la première fois dans un atelier pareil. C'est vraiment impressionnant. Et là, on a une impression de vide, évidemment. Bien entendu. Parce que toutes les toiles ont été mises dans la grande pièce. Oui, on a tout groupé pour des raisons de sécurité, comme vous le pensez, naturellement. Oui, j'ai oublié de vous parler des mesures de sécurité. Qu'est-ce que... Bah écoutez, vous avez envisagé. Nous avons fait le maximum, mais enfin, maintenant les toiles sont bien à l'abri. Elles sont dans une pièce qui est avec les fenêtres blindées, des barres de fer. Enfin, on a vraiment fait l'essentiel. Voici le musée Marmottan à Paris, où vont être exposées en permanence les toiles léguées à l'Académie des Beaux-Arts par M. Michel Monet, fils du peintre. Cette maison, c'est-à-dire l'Institut de France, et plus précisément à l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts, est l'héritière, la bénéficiaire de ce legs. Monsieur Emmanuel de Bonneville, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Est-ce que c'est une très grande surprise pour vous? C'est une très grande surprise sur un plan, parce que nous ne nous attendions pas à recevoir ce legs qui fait bénéficier le musée Marmottan, qui appartient à l'Académie des Beaux-Arts, des toiles que possédait le fils de Claude Monet. Donc, sur ce plan, c'est une surprise agréable. En ce qui concerne les toiles elles-mêmes, ce qu'on a trouvé, il y a à la fois un mélange de confirmation et de surprise. Comme vous le savez peut-être, ce legs se divise en deux ou trois parties. Il y avait des toiles à Sorel-Moussel, dans la maison qui appartenait à Michel Monet, et de ces toiles, une moitié à peu près vient tout de suite au musée Marmottan. Et c'est Michel Monet, le fils de Claude Monet, oui, qui a écrit ce testament en faveur de l'Institut. De l'Académie des Beaux-Arts, c'est exact. Et donc, un groupe de toiles vient tout de suite au musée Marmottan. Quand je dis vient tout de suite, c'est avec un certain délai, car comme vous le savez, dans des circonstances semblables, des formalités obligatoires et officielles pour certaines doivent être remplies. Mais, en tout cas, environ 15 Monet, 3 Berthe Morisot, 3 Renoir, des Yonkint vont venir tout de suite au musée Marmottan. D'autres toiles, à peu près égales en nombre, vont rester dans la maison de Sorel-Moussel, le fils de Claude Monet, Michel Monet, ayant désiré qu'elle demeure dans cette maison pendant la vie de celui qui a acheté cette propriété. Et par contre, si cette personne veut libérer plutôt sa maison de ces toiles, de ce dépôt, elle peut très bien les envoyer
avant la fin de ses jours au musée Marmottan, et quand cela lui conviendra. Il y a donc là une période d'attente, si vous le voulez bien. Et puis alors, il y a un autre groupe, celui de Giverny. Le fils de Claude Monet a donné aussi à l'Académie des Beaux-Arts, au musée Marmottan, ce que je viens de dire, et a légué aussi à l'Académie des Beaux-Arts la maison de Giverny avec ce qu'elle contient. Il veut que cette maison de Giverny demeure la maison du souvenir. Je n'aime pas beaucoup donner des chiffres, car les estimations sont des chiffres jusqu'à présent un peu confidentiels, malgré ce qu'on a dit, puisque la succession n'est pas réglée définitivement. Mais enfin, si on a cité des chiffres très élevés, on peut dire qu'ils sont assez justifiés. Citez-les tout de même, en gros. Autour d'un milliard à Sorel-Moussel et autour de la même somme à Giverny, sous réserve de ce que l'avenir montrera. Le visage de Claude Monet ressurgit dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, et en même temps ses peintures les plus célèbres. Tout entière, l'œuvre de Claude Monet est dédiée au soleil, a écrit Jean-Louis Vaudoyer de l'Académie française. Claude Monet.